Moi je n'avais pas compris, sinon on le redit. Mais il avait du bois en goût et tout. Il aurait fallu qu'on aille les voir si bien logés. On remercie l'hôtelier, entre parenthèses, déjà pour le repas. Vous pouvez applaudir, c'est très bon. Et puis, de nous avoir permis d'animer cette soirée sur place, sans bouger. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a bougé, en tout cas pour ceux qui ont descendu et monté les marches. Mais pas tout le monde, il y en a qui ont pris l'ascenseur. Bon, mais enfin, quand même, ils ont droit au spectacle. Par contre, vous pourrez éliminer, si vous allez tout à l'heure en dansant, mais ils vont nous le dire. Donc, on accueille le groupe local de danse folklorique qui s'appelle Los Burrelos. On peut les applaudir. Et alors, ça veut dire quoi, Los Burrelos? Ça vient de quoi? Bourré. Ah, voilà, mais oui, de la bourrée. Mais on se présente eux-mêmes. Alors j'accueille Nicole, c'est la chef de Roger et Nicole, c'est ça, hein, qui ont créé ce groupe, qui sont facteurs tous les deux, porteurs de bonnes nouvelles, et qui ont créé ce groupe, donc il y a quelques années, mais je crois qu'ils vont se présenter. Hein. Et ensuite, ne dites pas de mal de la municipalité, mais on a que du bien à dire, parce que le maire nous a accueillis lui-même, nous a fait cet honneur. Puisque Jean-Claude, il est adjoint au maire. Oh.
dire que Dieu nous aime vraiment et qu'il est prêt à faire une fête, une grande fête, rien que pour nous, pour chacune, pour chacun d'entre nous. Donc montrer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Alors voilà, sur ces paroles, je vous propose de dire ensemble peut-être notre Père, et après on va chanter le second psaume de Clément Marot. Parole agit sur la terre, avec droiture et vérité. C'est la source qui a alimenté la ville de Caen. Je prends l'entrée. Ici, derrière nous. Le vin n'est jamais venu, mais c'est son représentant, le sénéchal, qui était ici. Et alors, le château du roi a eu une dernière transformation, ça a été la dernière, presque encore des restes. Quand on regarde au niveau des fenêtres, vous voyez qu'il y a des barreaux, puisque c'est devenu la maison d'arrêt de Cahors en 1789, et cette prison a fermé en 2012. C'est assez récent, hein. Jusqu'à 4 ans, on avait cette prison en plein centre-ville, juste à côté d'un collège-lycée, d'ailleurs, c'est charmant. Bon, c'était une petite prison, hein, vous pouvez voir. Quand elle a fermé il y a 4 ans, il y avait une soixantaine de détenus qui a été transférés à la prison de Montauban. C'est la ville la plus proche, on a une maison d'arrêt. Il y en a un qui est resté à Caen parce qu'il s'est reconverti. Alors moi, je me suis attachée à devenir pilote de bateau. Je trouve qu'il s'en sort bien quand même.